Bonjour à tous et bienvenue pour une petite série de vidéos un peu particulière. Une vidéo où on va voir Daigo affronter les meilleurs joueurs du Japon. Ça s'appelle Umehara Concept Match. C'est la deuxième série de vidéos promue par le magazine Arcadia au Japon, où on va voir Umehara affronter toutes les grosses teams et toutes les gros persos du Japon. Umehara Daigo, donc on ne le représente pas, surnommé la bête aux États-Unis, mais ça a traversé bien sûr le Pacifique pour s'étendre au Japon. Il va être opposé aujourd'hui à de très très grands joueurs. En premier, il y aura Mago, meilleur joueur de Sagat probablement du monde et actuellement numéro 1 au classement BP avec son Sagat. Il enchaînera avec un match contre Iyo, meilleur Dalsim du Japon. On ne le présente plus. Il est vraiment incroyable ce joueur. Il enchaînera avec Nuki, son ami et rival de toujours, partenaire de Daigo pour le Tougeki. Et ensuite Nemo, deuxième Chun-Li, meilleur Chun-Li du Japon, Nemo. Et il finira avec Shiro, le meilleur joueur d'Abel du Japon. Et c'est parti, Mago fait son malin. Iyo toujours autant... aussi calme, c'est fou. Et Nuki qui est un personnage relativement extravagant. Nemo qui est plutôt quelqu'un qui se la joue bad boy. Et Shiro qui est quelqu'un de tout à fait réservé. Quelqu'un d'assez extraordinaire. Et voilà, premier match, un gros affiche Umehara Daigo versus Mago. Donc on va voir comme ça tout au cours de ces séries de matchs. Deux matchs, deux points gagnants. Et élimination directe, donc Daigo va enchaîner ces 5 joueurs là. On va voir ce que ça va donner. Allez, Dai Shoryu pour punir le saut de Mago. Mago qui est pas très bien parti pour le moment dans ce round. Le light kick qui ne passe pas. Daigo qui pour le moment gère son round. Il a pris une très grosse avance grâce à un Dai Shoryu en punition d'un saut. Bien joué, c'est baissé pile poil au bon moment. Ah, Mago qui se rate. Les enchaînements de bas light kick qui auraient pu terminer en Shoryuken, c'est raté. Allez, attention, Mago qui a sa barre, deux barres de super de chargé. Il préfère gaspiller une barre de super pour utiliser un coup avec son combo. Le Tatsumaki qui a failli toucher cross-up. Belle réaction de Mago qui a essayé de choper la relevée. Bah, medium punch, bah, medium kick à Doken. Bah, medium kick à Doken, normal. Daigo qui sait très bien comment gérer le Sagata Mago avec des attaques très au sol. Voilà, tentative de cross-up, light kick, la chop. C'est une attaque qui ne passe traditionnellement pas au Japon, hein, tellement on la connaît. Dès qu'on sent que le light kick passe dans la garde, ça ne passe pas. Et voilà, et là c'est Daigo qui remporte le match de Shoryu Cancel. Le Shoryu Cancel de Mago contré avec un Shoryu Cancel de Daigo. Mais lui il met la chop et le petit Hadoken pour gratter. Premier round pour Umehara Daigo. Umehara face à Mago. Et c'est parti. Deuxième round. Elle l'a déjà dosé, hein. Mago, il sait comment faire pour en venir à bout. Voilà, bas medium kick est là. Il arrache la double touche sur le Tiger Knee. C'est plutôt bien joué, hein, de la part d'Umehara. Bas medium Shoryu. Évidemment, grosse punition. Le Tiger Knee qui passe vraiment dans le vent. Le cross-up, bien joué. Bas high punch, bas high punch, bas high punch. Tatsumaki, ça fait très mal. Il s'envoie l'adversaire très loin. Attention, le high kick, bien joué. Nouvelle fois, le Shoryu qui sort dans le bon sens pour punir la tentative de Tatsu cross-up. Le Shoryu dans le vent, ça va être dramatique. Attention à la relevée. Ex Tatsumaki et Metsa Doken. Victoire d'Umehara Daigo. Ah, il l'a attendu. Ah, quoique pas victoire, il reste encore un peu. Le Hadoken cancel et le grattage au Shoryu. Bien joué. Daigo qui a rien laissé passer. Et victoire 2-0 sur Mago. Premier défi remporté. Je vous laisse écouter Umehara Daigo. まあ、やりやすかったっちゃやりやすかった。向こうも特にここでなんか一発ネタを仕込んできたとかっていう感じでもなかったから、うん、まああんなもんなんじゃないですかね。